Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule consacrée à Vie d'amour, l'œuvre de Marie-Paul. Marie-Paul n'est pas une femme comme les autres, nous en sommes tous convaincus. Comme Jésus il y a 2000 ans, elle avait une mission à accomplir durant sa vie, une mission dont dépendait rien de moins que le sort de l'humanité. Ainsi, nous croyons en elle, tout comme nous croyons en Dieu le Père, en Marie la Divine, en Jésus-Christ et en l'Esprit qui doit encore venir. Mais notre foi doit être forte. Pour ne pas la perdre, nous devons la protéger et la nourrir. La foi renouvelée qui est la nôtre se nourrit spécialement par la lecture de vie d'amour. Et si nous sommes encore trop jeunes pour lire les écrits de Marie-Paul, nous pouvons quand même profiter de toutes sortes d'occasions pour nous intéresser à elle et apprendre à mieux la connaître. En lisant Vie d'amour, il est frappant de voir à quel point Marie-Paul a aimé durant sa vie. Elle aimait Dieu et son prochain d'une manière parfaite. Comme le dit le titre de ses volumes, sa vie est vraiment une vie d'amour. Mais il est aussi étonnant de voir à quel point Marie-Paul a souffert. Toutes les souffrances qu'elle a acceptées avec amour ont vraiment été une formation spéciale pour elle. Un jour, pour l'encourager, Jésus lui explique ⁇ Celui qui n'a pas souffert ou qui souffre en se révoltant, que sait-il Continue, sacrifie-toi pour les âmes. Tu comprendras à tel point que le bonheur surpassera toujours tes peines. En plus, tu t'approches de moi et de ma mère bien-aimée. D'après cet enseignement de Jésus à Marie-Paul, la souffrance bien acceptée, c'est-à-dire acceptée avec amour, rapproche l'âme de Dieu. Mais comment cela se réalise-t-il On peut comparer la souffrance à un feu qui vient brûler dans l'âme toutes ses imperfections et qui, à la place, y laisse plus d'amour. L'âme se rapproche de Dieu et celui-ci lui fait comprendre des choses inaccessibles à l'âme non purifiée. C'est bien ce qui est arrivé à Marie-Paul. Son amour n'a cessé de grandir. À travers cette purification, Marie-Paul a aussi appris la souplesse et elle a développé une obéissance parfaite aux demandes du ciel. Lorsqu'on lit Vit d'amour, on se rend compte que Marie-Paul ne cherchait pas à être connue et mise au premier plan. Au contraire, elle aimait être discrète afin de ne pas attirer l'attention. Mais elle avait une mission qui exigeait une obéissance constante. En lisant, on découvre que cette mission elle l'a reçue de Dieu et que Dieu l'a guidée en toutes choses. Au fil des années, le ciel lui donnait dans le secret des titres révélateurs comme co-rédemptrice, souveraine de la terre et mère de toutes les âmes. Ces titres, elle les notait puis elle les oubliait. En lisant, on apprend aussi qu'à chaque fois que le ciel lui a demandé de poser publiquement certains gestes révélateurs de sa mission, cela a exigé d'elle d'immenses renoncements et lui a causé de grandes souffrances. Vraiment, tout se tient dans vie d'amour. Marie-Paul ne s'est jamais contredite. Tous les événements de sa vie et les annonces faites par le ciel se sont toujours si bien agencés qu'elle n'a vraiment pas pu inventer tout cela d'elle-même. Un fait raconté dans Vie d'amour va nous montrer l'importance d'en faire la lecture. Dans les années 1970, Marie-Paul fait providentiellement la connaissance d'un religieux très saint et très avancé spirituellement. Il était appelé à collaborer avec elle afin de faire progresser l'œuvre. Marie-Paul lui communique certains secrets, mais, un jour, il commence à douter d'elle. N'ayant pas lu les premiers volumes de Vie d'amour comme il aurait fallu le faire, il ne peut pas savoir que Marie-Paul est tellement purifiée que c'est le ciel qui passe directement par elle. À force de douter, il en vient à ne plus rien comprendre de l'œuvre et à se couper lui-même de Marie-Paul. Nous ne voulons pas que cela nous arrive. Ce que nous voulons, c'est plutôt profiter des grâces qui découlent de la lecture de Vie d'amour et de notre intérêt pour Marie-Paul. Plus on apprend à connaître quelqu'un, plus on est en mesure de l'aimer. Pour plusieurs personnes, la première lecture de vie d'amour est un moment marquant de leur vie, un moment de grâce qui les aide à se rapprocher de Dieu. Parfois même, cette lecture peut changer complètement une personne. On parle alors de conversion. C'est arrivé et cela prouve que de réelles grâces se rattachent à la lecture de vie d'amour. De plus, en lisant ces pages, nous profitons des enseignements spirituels solides qui nous aident à devenir de meilleures personnes et à mieux aimer Dieu et notre prochain. À la longue, nous commençons à voir la vie un peu comme Marie-Paul la voyait. Plusieurs fois, des membres de l'œuvre de la Dame ont comparé Vidamour d'amour à un phare qui, de sa lumière, les guide à bon port. Il en est ainsi pour nous aussi. Dans la prochaine capsule, nous rappellerons que même les enfants peuvent trouver d'envie d'amour, dans l'exemple de la jeunesse de Marie-Paul, un modèle à imiter. Je vous donne à présent ma bénédiction. Que la divinité tout entière vous bénisse, ainsi que tous ceux qui vous sont chers, au nom du Père et du Fils, de la Mère et de la Fille, dans l'unité de l'Esprit. Amen.